Les filles, venez vous montrer comment chante le micro, oui. Venez vous montrer comment chante le micro. Allez, lâche un pouce bleu. C'est pour nous encourager. Lâche, merci. C'est... Voilà, moi j'ai parlé de ma ploli. Hey! J'ai parlé de Mougouli. Quelqu'un a entendu, oh? Ah bon? Je viens faire une annonce très spéciale que tout le monde doit connaître. Ah! Mon chéri. Même dans la fête de film Maplo là. Il n'y a jamais quelqu'un qui fait deux coups dedans. Qui? On avait quoi? Ah bon? Ah comment ça? C'est dans quel coup toi tu vas venir me faire 9 coups? Tout est gâté. Donc il n'y a plus Mougouli encore quoi? On peut aimer Mougouli mais pour toi là c'est dangereux. Donc c'est les petits 9 coups là que tu trouves ça dangereux. Comment ça tu vas monter sur l'enfant de quelqu'un et puis tu vas faire 9 coups? Ah donc à partir de maintenant là je vais faire. Mais un coup c'est 5 minutes. 5 minutes. Ah ma chérie. Ah bon? Donc dans les 5 minutes là tu peux pas ajouter quelques minutes hein? Quand toi tu as regardé Dorsel là, tu as pas vu que 2 coups c'est 1 heure? Ah mais moi je trouve que les 5 minutes là c'est trop insuffisant pour moi. Faut pas nous fatiguer. Mais et si on faisait 3 heures du temps, c'était bon. Attends, quand tu m'as regardé là, je ressens ma femme avec qui tu vas faire essai. Ah, donc les 9 coups là sont trop quoi? Parce que ça là c'est essai. Tu peux pas m'appeler quelqu'un et puis tu fais 9 coups. Donc si je vous comprends, tu n'aimes plus Mougouli quoi? Donc moi de ne plus Mougou avec quelqu'un quoi? Aïe, t'as fait la épée mais... Mais pourquoi? J'aime Mougouli. C'est ton ordinateur là. Aujourd'hui c'est notre jour. Ah, donc je vais bien te Mougou alors. Faut me Mougou. C'est prostitution qui est mieux pour toi. Quitte là. Il faut aller revoir, vous allez apprendre vos trucs là. Hein. Parce que vous pouvez pas monter si en fait de quelqu'un fait 9 coups et puis c'est seulement 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Y'a quoi? Donc les petits 9 coups là, ça vous fatigue quoi? Oui. Tout ça là même. Ça me fatigue. Ah! Quelle humiliation! Notre dame de vertu, s'il vous plaît, allons-y. Tous les cas, soit. C'est déconseillé de Mougou avant le mariage. Ah bon? Grave erreur. Ah bon? Donc explique-nous alors. Je vous explique. Oui, on vous écoute. Une fille de 25 ans qui est restée vierge. Oh, mais pourquoi? Ses parents organisaient son mariage avec un autre gars. Et elle était contente comme ça pour aller se marier. Et après le mariage? Ils ont fait mariage là. Ils sont la nuit de miel. Ah bon? Et la nuit de la miel, ça t'a dit? Ils l'ont dévergé là-bas, bon, autoroute. Yeah! Yeah! Mais elle est toujours dans le foyer. Je dis, logiquement, elle devait rester dans son foyer. Oui. Elle a fait un mois de relation. Hein? C'est une blague. Parce que le Mogo a vu que c'est pas le pétou là qui l'arrange. Mais un Mogo là, il allait où? Donc le Mogo a peint. Donc tout ça, pour ça, oui. Mais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que... Mais le monsieur, il a dit quoi en fait, il est parti? Il dit, chérie, j'arrive, hein, il m'avait pour un boulot, là, il a pris ses affaires, il est parti, il l'a laissé dans la maison. Une semaine, le gars vient pas. Hein? Quoi? Et pourquoi elle pleure alors? Il dit, pleure, goumet sous goumet. Mais elle peut appeler ses parents? Elle appelle ses parents appellent aussi la famille du monsieur. Personne ne répond. Elle s'est dit que pourquoi elle a gardé sa virginité jusqu'à 25 ans et quelqu'un prend comme ça et plus il lui fait un mou quand il s'en va. God have mercy upon us. Mais depuis là, elle s'est pas encore remariée. Non, aujourd'hui là même là, j'ai dit elle s'est Paris. Son pétou là, c'est guichet ouvert. Now this. This is a bikini body. Now this. S'abonnez-vous. Je demande à tout le monde de partager. S'il vous plaît, abonnez-vous. Ok. Bye bye.